International. Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life. And I made... Patrick Michel, bonjour. Bonjour. Donc, on est au départ du 10e Trail Blanc de Serre Chevalier. Donc, tu peux nous en dire un peu plus sur les conditions météo, parce que là, ce matin, il neige. Les conditions météo, ça va rester comme ça. Donc, ça va être un petit peu du grésil, un petit peu des averses. Donc, c'est des conditions météo qui, on va dire, sont correctes, puisqu'on ne part pas en montagne. Hein, on n'est pas en haute montagne. Donc, les conditions météo, on va dire, sont bonnes. Il ne fait pas très froid. Donc voilà, ce qui me fait un peu plus souci, c'est les conditions de neige, parce qu'on a des conditions, on va dire, mixtes, avec de la glace, de la neige, on va dire, dure, de la neige croûtée. Donc ça va être, tactiquement, ça va être très très intéressant à suivre, tactiquement et techniquement, ça va être très intéressant à suivre, parce que c'est pas évident que ce soit le plus fort qui gagne aujourd'hui. D'accord, et ben justement, au niveau du côté de ton plateau, donc... Côté plateau, on a un très très beau plateau, avec des garçons comme Mika Passero, avec des garçons comme Delebar, inscrit dernière minute, Gilles Segri, avec Ludovic Pell, avec un jeune qui monte très très fort, qui s'appelle Michel Lannes, qui est sur Briançon, c'est un Pyrénéen qui est sur Briançon, qui a gagné la Via Lattea Trail. Donc voilà, on a un très très, très beau plateau masculin, côté... et Zanotti, 4 fois vainqueur quand même. Et côté féminin, eh bien, il va y avoir un gros combat, un gros mano à mano entre Lisèle Disler donc, et puis Fiona Porte. D'accord. Bon, écoute, on se retrouve tout à l'heure sur le parcours. À tout à l'heure, sur le parcours. Trail de Serre Chevalier, David Croquette est au départ. Hein, c'était prévu cette année. Hein, donc, Voilà, donc après, là, tu es venu chercher de la neige pour le Ventoux, Serge. Bah écoute, la neige cette année on l'attend un petit peu et puis on sait jamais la neige, hein, ça vient, ça va. On a eu 80 cm au mois de novembre, là il n'y a plus rien, et ça se trouve dans une semaine il y a 50 ou 60 cm, on verra bien. Donc les traces blanches c'est le... Les traces blanches le 30 janvier, j'espère qu'elles seront blanches, sinon il n'y aura pas de traces blanches. Quoi. D'accord, à tout à l'heure sur la piste. 350 mètres de positif et négatif. Donc le départ commun ici du marathon, héros de la Drôme, du Trail de Mirmande, de j'en passe. Il n'arrête pas Jack. Et puis... Donc comment se prépare cette 10e édition du Trail Blanc? Elle se prépare un petit peu dans l'inconnu parce qu'en fait j'ai eu la gastro la semaine dernière, donc je suis encore très faible au niveau des jambes, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc ta préparation s'est bien passée pour ce début de saison quand même, malgré ces petits problèmes. Oui, après je suis préparé, mais bon, voilà, bon. On verra bien. On te souhaite bonne course et bien. 5-6 minutes là. Chaque année un peu plus nombreux. On a ramené un petit gant, un gant de couleur sable. Dans 5 minutes, le départ. Ah Mika, comment ça se présente? Départ dans 3 minutes, donc la ligne de départ se trouve sous l'arche. T'as mis les chaînes donc? J'ai mis les chaînes, il faut là. Ouais, pas de risque. Non, bah. La ligne de départ se trouve sous l'arche. On va appeler les concurrents. Ça gêne rien, on sent rien. On avait rien au pied. Bon. Donc c'est. Enfin, on verra pour l'option quoi. Bon, tes prétentions là un petit peu, t'as. Voilà, on va rappeler les gars, c'est les gilets sur gauche. Ici pour le départ dans 2 minutes maintenant, s'il vous plaît. Bon, écoute. Frotter aux autres qui connaissent le circuit, qui ont plus d'expérience, donc voilà, on va. Allez, on se dépêche. Rester prudent, je connais pas de parcours, la neige. Sur aussi longtemps, je connais pas non plus. On tourne à droite, on travaille sur les conditions, c'est un peu spécial aussi. Ok, j'irai le ravito aussi. Allez, à tout à l'heure, et je te souhaite bonne course. Au moins ils entendront mieux les consignes. T'inquiète pas, ici on se reçoit très bien. La voix porte sans problème. Allez messieurs dames, s'il vous plaît, on va vous demander de route. I can't get enough.
couple kicks just for the thrill. I got this high without taking a pill. This groove has got me way over the sun. I'm dancing like I am the only one. 'Cause I can't get enough. Going higher, I feel like I can touch the sky. It's taking me high. Donc une belle médaille d'argent sur ce podium 2011. Et avec donc cette épreuve du trail blanc, donc à 7 chevaliers. Ouais, c'est une belle deuxième place, je suis content parce que j'ai eu beaucoup de mal au début, je m'enfonçais, j'ai perdu mes chaînes, en fait je les ai laissées comme ça. Enfin, c'était pas dans le rythme, trop élevé. Et puis un coup j'étais vachement bien après le ravito. On a avancé dans les premières montées, et puis après j'ai su combien j'étais au ravito à la fin. À 4 km, on m'a dit que j'étais 2, je savais pas combien j'étais. Je pense que j'étais 3 ou 4, je savais pas. Alors, au renouveau des podiums avec la jeunesse maintenant, puisque c'est ce qui s'était passé déjà à Névache. Lisel Dissler est en train de réaliser la même chose que toi, puisqu'elle occupe la première place du classement provisoire devant Fiona Porte. Donc, direction cette année sur les trails un peu plus courts. Pas forcément, non. Enfin, là, j'ai pris celui-là, c'est le début de la saison. J'aime bien venir ici parce que le point est sympa. Voilà, c'était nouveau pour moi de courir sur la neige. Bon, après, la saison, on verra plus tard. Comment je l'organise. Mais bon, enfin, je suis pas de TTN, long cours, peu importe, je prendrai les courses un peu comme ça. Merci Mika, on accueille maintenant le 144. Alors lui, c'est 4e, là, au mois d'octobre. On est au même World. Belle course, c'était un des favoris annoncés. Donc, résultat accompli. Donc, tu peux nous raconter un petit peu ta course? Bah, la course, je savais pas trop où je partais parce que c'est vrai, c'est pas mon domaine. Moi, je suis plus montagnard. Donc, le trail, c'est. Je sais que j'ai la vitesse, je sais que je monte, je sais que je descends. Mais je sais pas encore si je tiens la distance, quoi. D'accord. Donc, je suis parti au train au fur et à mesure. Je me retrouve en tête dès le 3e dans la montée. Je pensais pas que j'avais fait le trou. Puis après, j'ai mon allure. Je gagnais quand même la deuxième partie, puis le retour. Donc, j'ai fait attention de pas trop toucher à l'aller. Et là, je fais le retour et je savais pas trop, je savais pas le parcours. Donc, niveau dénivelé, niveau technique, je savais pas trop où j'allais. Donc, j'ai géré au fur et à mesure. Et à la fin, à 7 ans de l'arrivée, je tienne. D'accord. Donc tes objectifs cette année, c'est le trail ou tu peux sur la route, montagne? Le trail, on va dire, début de saison, quelques aides à TTN. Ouais. Après, je passerai sur la montagne. Trail court, TTN court? TTN court, oui. Après, la montagne avec Firmini, mon club. Ouais. Et en même temps, j'essaie de faire un petit bande si je peux encore sur route pour garder ma vitesse de base, quoi. D'accord, donc but, avec... ma vitesse. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on te remercie et puis bonne continuation pour ta saison, Mathieu. Notre heure de 12h30, Lisel Dissler qui confirme sa suprématie sur Serge Chevalier. Édition 2011, avec un athlète que les coureurs de côte connaissent très bien, puisqu'il remporte beaucoup de courses de côte, notamment l'Alpe d'Huez et ses 21 virages. Il est de l'ACO Firmini, il réalise un super temps, très rapide, je l'avais dit tout à l'heure, que ce serait un parcours roulant, propice aux montagnards, et quand je dis montagnards, c'est aux habitués des courses en montagne. Il a été membre de l'équipe de France de courses en montagne. Aujourd'hui, 2h07.15 ont suffi à cet athlète pour franchir la ligne d'arrivée. Je vous demande d'applaudir bien fort, Ludovic Pellet. Thank you.
circuit des courses de côte. Moi, j'ai l'habitude de le voir toujours sur la plus haute marche des courses de côte, à l'ascension du Mont Vinaigre. Des fois, c'est le col de Vence et l'Alpe d'Huez et bien d'autres. Et là, aujourd'hui, il s'est bien exprimé sur ce parcours. Il nous confiait tout à l'heure, lors de la ligne d'arrivée franchie, qu'il allait se mettre un petit peu sur le circuit des trails courts et pourquoi pas de cette superbe manche du Trail Tour National. Oui, oui, je vois, tu es en train de lui vider le sac là. Voilà, c'est la dotation New Balance pour lui montrer que le sac, il est garni, il n'était pas simplement vide, avec porte-bidon, bandeau, gants, t-shirt, collant, enfin voilà. La collection complète New Balance 2011. Merci à notre équipement préféré. Voilà, et pour les chaussures, il a également le bon pour retirer une paire de chaussures New Balance, à bien sûr à sa taille, parce que sinon ça sert à rien de lui donner des chaussures. On va demander maintenant au deuxième de venir rejoindre Ludo. Un athlète, lui aussi, très jeune, qui s'est mis sur le trail après avoir fait beaucoup de résultats sur des courses de montagne et des courses rapides. Il avait remporté en juillet dernier la Sky Race de Nevache. Un jeune athlète du team New Balance BV Sport. Ça s'est joué à très peu. 10 mètres séparés Ludo de Mika pendant très longtemps. C'est Ludo qui a pris la première place. Vous pouvez applaudir bien fort Mika Pazero. Ah, il a eu chaud aux fesses, Ludo. Hein. Je peux te dire qu'il est arrivé, il n'avait pas trop le sourire au début. Hein. Après, c'est vite revenu, là. 2h07.15 pour Ludo, 2h07.39 pour Mika.